Not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Nous levons, et c'est une aurore boréale. Ok, je vais voir un peu notre vie. Bon, ça va. On est à combien? 40%. 40% c'est très bien. Ok, aurore boréale donc. Pff, putain, ça va être dangereux de sortir. Ça va être dangereux, mais dans un sens, on va voir. Et normalement, il devrait pas faire trop froid, je crois. Moi 7. Oh, c'est parfait. Ok, cool. Ah, c'est ça qu'ils ont rajouté. Un peu partout, en fait. Oh, ils ont rajouté des lampes comme ça. Oh, ça pète. Donc, en gros, un peu partout dans le monde, je crois, la dernière mise à jour a rajouté ça. A rajouté des lampes, en fait. D'où ils viennent, ces oiseaux? Ils ont rajouté des lampes, donc si jamais on se fait courser... Je vais aller voir la petite cabane d'abord. Si jamais on se fait courser, on peut... Ouh, il est là, lui. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. On peut se réfugier près d'une maison, et la lumière va faire peur aux animaux. Ah, on le voit, là, fluorescent. Ok, très bien. De biche, c'est très bien, c'est bien d'en avoir plusieurs. Alors, pourquoi je vais dans cette petite cabane? Parce que je voudrais tous les faire et j'ai tendance à les... Merde, je me suis arrêté de fouiller. J'ai tendance à les... en oublier quelques-unes. Et ça, c'est un problème parce que bon, en oublier quelques-unes, c'est pas bon. Parce que de temps en temps, il y a des très bons objets, comme là, maintenant, là, un pied de biche. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on les voit de très loin, les animaux, normalement. Enfin, désolé si je vais mettre des blancs. Là, je crois qu'il y a un truc qui bouge en face. Mais je vais essayer de me concentrer pour qu'on les voit de loin. Parce que là, les animaux risquent d'être très dangereux, en fait. Waouh, c'est joli, hein? Je crois que lui vient vers moi en fait. Donne. Vite, 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 vite. Je crois qu'il vient vers moi. Derrière le truc, il n'y a rien. Ok, ça marche. Ok, après on a celle-là là-bas. Mais c'est un peu loin. On va passer... je crois qu'il y a une petite cabane aussi entre les deux îles. Par contre... Ah, elle est là, là-bas, je la vois, là-bas, je la vois, je la vois. Bah là, franchement, on a un peu de chance parce que bon... Ça se passe bien. Est-ce qu'on peut pas faire du feu? Non, ce serait débile. Ce serait con. Ce serait complètement con de pouvoir faire du feu avec, avec une aurore boréale. Alors vous pouvez vous approcher du... Je le dis toujours, hein, mais bon, personnellement j'ai jamais vraiment eu grand chose d'intéressant. Mais vous pouvez vous approcher du bord de l'eau. Des fois, il y a possibilité de trouver des poissons et des choses comme ça. Bon, moi j'ai jamais rien eu, mais jamais rien eu d'intéressant, mais du bois, poisson, des trucs comme ça quoi. Par contre, faites attention parce que là, ça casse. On commence à avoir froid. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Alors, question, est-ce que les lapins sortent pendant les aurores boréales? Franchement, ça serait bien, mais ça m'étonnerait. Je pense que ce qu'on va faire, c'est récupérer le plus de bois possible, ça aussi. Parce qu'il fait chaud. Faut que j'arrête, faut vraiment que j'arrête de dire parce qu'il fait chaud. Il fait pas chaud, il fait ultra froid, mais il fait pas aussi froid que d'habitude. Et une fois qu'on sera trop froid, quand on sera au moment où c'est qu'on va commencer à geler, genre maintenant, on trace dans la maison et on va fouiller la maison, comme ça on se réchauffe, le temps de fouiller la maison. Yes. Ok, cool. Pas de lapin, hein. Non. Je confirme, il n'y a pas de lapin. Ok, bon par contre, on utilise la lampe. On est toujours à... On est à 0.46, ça va. Je pourrais le faire sans lampe, mais j'aime pas, j'aime pas faire les fouilles comme ça sans lampe, c'est pas intéressant. Oh, du café! Oh la vache! Oh, c'est ultra rare, ça c'est bien. Le café, ça va vous permettre... Oh waouh, 2. Le café, ça va vous permettre de rester éveillé plus longtemps. Et ce qui est bien, c'est que... C'est de la caféine, c'est pour ça. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez le préparer, donc ça va être chaud. Donc ça va vous donner le bonus de chaleur, si vous le buvez directement. Mais même si c'est froid, en fait, ça garde le fait que ça soit du café. Donc il y a de la caféine, donc vous pouvez en fait boire café sur café et rester éveillé extrêmement longtemps. Donc je dois dire que ça, c'est vraiment un outil extraordinaire. Mais bon, à l'utiliser, si vraiment vous voulez passer une zone sans dormir... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des biscuits ou c'est autre chose? J'ai cru que c'était de la lessive. Non, c'est des biscuits. Oh, putain, je m'étouffais. Ah, dans ma tête, je me suis dit que c'était un paquet de lessive. Genre, c'est de la poudre. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là? C'est nouveau. Oh la vache. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Si on peut pas rigoler de petites choses. Hein. Même en crevant de froid. De quoi peut-on rigoler? On va éviter de trop consommer de la lampe. Mais de toute façon, on la remplira au pire quand on rentre. C'est pas grave. Et c'est bon. Quand on rentre, on la remplira. Donc c'est pas grave. Donc là, il y a un truc qui est bien. C'est l'eau, hein, encore une fois. On récupère l'eau petit à petit. Ça, c'est bien. On n'a pas besoin de... Ah, on n'a pas besoin de feu et de créer de l'eau, donc ça c'est bien pour le moment, c'est cool. Il y a pas mal de lumière à l'intérieur même. Hein. Par contre on commence à être un peu lourd. Bon ça c'est bien, on va pouvoir faire du feu. On a 5 litres d'eau sans avoir fait de l'eau pendant un très long moment, ça c'est bien. On a pas mal de bouffe qu'on va utiliser avant d'utiliser la viande. Je suis content, on va continuer notre exploration. On est à moitié de la chaleur, on va essayer de récupérer tout le bois qu'il y a autour en fait. Plus ou moins tout le bois. On va voir. Ok, c'est parti. Alors sur cette île, il n'y a pas de loup. Ça c'est bien. Je crois que ils peuvent même pas venir à moins que vous vraiment vous les appâtiez. Oh, par contre, moins 17, le temps a changé. Genre vraiment vous les forcez à venir, hein, vous faites la pas, etc. Mais... oh, il y a un cadavre. Mais vous risquez rien ici, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que cet endroit est cool. Bon, par contre, on a un problème. J'espère que c'est un humain. Ouais. J'avais peur que ça soit un cadavre d'animal. Parce que du coup, on peut pas faire grand chose, quoi. Quoiqu'à la limite, on pourrait faire du feu. À la limite, on pourrait faire du feu, hein, pour cette nuit. Faudrait le faire... je sais pas où. On n'a pas grand chose à cuire, c'est ça le problème. C'est ça qui m'embête, parce que moi je voudrais avoir beaucoup de choses à cuire. Faire de l'eau c'est bien beau, mais... Enfin faire des réserves d'eau c'est bien, mais voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ok, là on est en hypothermie. C'est quoi, c'est un lapin ou c'est des loups? Ah, ça, si c'était des lapins, je serais bien content parce que ça ferait beaucoup de bouffe. Mais ce sont des loups. Mais ils montent pas. Comme j'ai dit, ils montent pas normalement. Mais du coup, on va devoir passer par un autre chemin. Alors, ce qu'on pourrait faire à la limite... Et je pense que c'est ce qu'on va faire... Ah, le vent se lève. Oh la vache, il y a plein de l'eau à droite. On va aller là-bas. Je voudrais bien aller à cette cabane, mais c'est trop risqué. Je sens que je vais devoir sortir une torche par contre. Quoique je sais même pas si ça marche. Là, il y en a... Ils se croient qu'ils sont plus proches à gauche qu'à droite. Mais en tout cas, ils sont là, quoi. Oh la vache, oh la vache. Ça commence à gueuler à droite, à gauche. C'est pas bon, ça. Torres, on va faire la... On va mettre la surmultipliée, par contre, là. Parce que... Parce que là je le sens mal, Torres. Après à savoir une chose qui est bonne à savoir, c'est que quand vous êtes dans ces petits cabanons, vous risquez rien. Donc si vous pouvez tracer d'un cabanon à l'autre, ça va. Le problème c'est de se faire choper en fait entre les cabanons. J'ai remarqué que des fois le son il sautait, une petite parenthèse par rapport à la survie, j'ai remarqué que le son des fois sautait genre pendant un tiers de seconde. C'est pas moi, c'est pas ma faute à moi, c'est le jeu. Tiens, il y a une porte maintenant ici. Je crois qu'il n'y avait pas de porte avant. Donc je suis désolé si ça perturbe, mais je peux rien y faire en fait. Ok, maintenant... On peut toujours sprinter, ça va. On va garder le sprint par contre. Alors là, on a plein de maisons, ce qui est bien. Alors, logiquement, il ne devrait pas avoir d'animaux près des maisons s'il y a des lumières partout, on est d'accord? Ok, on trace. On va rentrer, on a trop froid. Même là, il y a des grosses lampes. Donc, voilà, logiquement, j'ai bon, hein. Il devrait pas avoir d'animaux près des maisons, parce qu'il y a des lumières partout. Ça, c'est cool, je pense. Boîte de travail, on prend. Là, il n'y a rien. Les journaux, on laisse. On fouille. il n'y a rien sous le lit. Il n'y a que dalle ici. Ah, ça, il y a peut-être de l'eau là, non? Non, c'est pas de l'eau. Ok. Ok. Fais voir un peu. Tu es à 24%. C'est pas, hein, c'est pas joli, joli, mais bon. On va manger ça. C'est pour un peu éviter de perdre trop de... Parce que je crois qu'on va faire une partie de la nuit ici. Alors attendez. Toujours un peu fouillé entre les... Ici. Parce que des fous. C'est rare, mais des fois il y a des objets. Voilà, mais c'est rare, hein, c'est rare, c'est très rare. Ouais, il commence à avoir une grosse tempête, donc c'est pour ça que je pense qu'on va dormir dans ces petites cabanes. Un truc qui pourrait être bien, c'est avoir du fil, mais on n'en a pas. Avoir du fil, et après on peut pêcher. Donc ça serait bien genre de même de pêcher d'ici en fait. Ça serait vraiment cool. Qu'on ait une réserve de bouffe en fait. J'aime pas sortir, rentrer comme ça. On sait jamais si on va avoir une bonne surprise ou pas. Genre la surprise... ours. Parce que des fois il y a des ours ici. Enfin, il y a un ours. Mais bon, je dis ça, mais s'il faut, ça a changé. Hein, parce que bon, on a eu un élan de l'autre côté. Les choses se comportent vraiment différemment maintenant. Il n'y a rien... Pas trop eu de chance avec ces... Par contre, je vais garder la lampe. Corde. Hameçon. Là-bas, il faudra aller là-bas. Il faudra aller là-bas. On va aller dans la première cabane. Je me mets toujours dans la première cabane, personnellement. Vache. C'est bon. Reste cool, Torres, on est bon. On a des bottes de travail neuves et là c'est des bottes de marche. C'est quoi le mieux, bottes de marche ou bottes de travail? 95%. Ouais, apparemment ça c'est beaucoup mieux. Ça on va les laisser je pense. Je sais pas si on les laisse là ou pas. Ok, on va un peu jeter un peu tout ce qu'on a. Ça va être notre deuxième habitat. J'aime bien en faire un deuxième parce que la zone est quand même grande. Donc... Désolé, je range, je devrais pas parce que c'est pas intéressant. Mais c'est mon désordre Ça doit être un truc psychologique, je sais pas. Des chaussettes sur le lit. Ça doit être un truc que j'ai dans le cerveau qui me fait faire ça. Qui me force à faire ça en fait. Je sais pas. Mais au moins c'est cool. On va mettre ça là. Ah, comme ça c'est joli. Voilà. On dirait que c'est habité. J'aime bien quand ça ressemble à des habitations en fait. Ok, alors... 22%, on va devoir manger et dormir parce qu'on est assez fatigué. Je pense que c'est ce qu'on va faire tout simplement. On va dormir une dizaine d'heures. Et c'est tout quoi. Les torches, on en a 3. C'est bien. On a beaucoup de bois. Est-ce que... On en a besoin? Pas vraiment. À la limite, on le virera le lendemain avant de partir. On va voir. On va voir ce qu'on fait. On va... Je sais pas encore ce qu'on va faire en fait. On a 36. Ce que je voudrais bien ramener tout ce bordel chez nous. Dans notre camp principal. C'est ça que je voudrais faire. Alors... Ça c'est 300. Ça c'est 250. Ouais, on va voir. On va voir le lendemain comment ça se... Comment ça va avec le temps et... Si jamais on part en vadrouille encore et... Après on rentre, voilà. Mais au moins on essaye de tout faire assez rapidement. On a 35 kilos, c'est bien. Par contre il va nous falloir un peu plus... Tout petit peu plus. Je regarde les pourcentages. Les pourcentages c'est important, attention. On a ça encore, on a 5 litres d'eau, puis un soda, donc ça va. Voilà, 10 heures, c'est bien. C'est parfait. Et nous nous levons. On peut voir un peu le bordel qu'on a foutu. On n'a pas pu vraiment voir la nuit dernière. Comment... Ouais, ça va, c'est bien. Il y a l'oreiller qui me dérange, je veux le couper. On va laisser ça là. Là, on est bon. Alors, on est à 35 kilos, c'est un petit problème. Mais pour l'instant, on va continuer... Désolé, je me suis un peu perturbé moi-même. On va continuer notre aventure. Ok, il n'y a personne. Par contre, il fait très joli. Très très joli. Je pense qu'on va faire un feu avec la loupe. Parce qu'on a plein de bois, donc il va falloir l'utiliser à un moment ou à un autre. Ah merde, il y a des loups là. Ah, fait chier. Est-ce que je peux l'atteindre sans... On va faire un feu là. Et on va prendre la carcasse. Ah non. On va prendre la carcasse. Comme ça on va en profiter. On va se vider un peu les poches. Niveau... Attends, on va faire une bifurcation. On va se vider un peu les poches niveau bois. Parce qu'on va l'utiliser. Et on va récupérer un peu d'eau. Oh la vache. Ils font peur ces corbeaux. On dirait les corbeaux de Resident Evil. Et on va faire beaucoup d'eau. Je crois que dans cette petite île là, il y a des bois pour faire des... un arc ou des trucs comme ça, je crois. Je crois que c'est là, je suis pas sûr. Ou alors c'est celle-là. Je sais plus. C'est pas grave. Yes, marteau fagotin. Fagotin, on va le prendre, que c'est comme ça. Ça montrera qu'on est passé par là. Cette cabane, je crois que... Page blanche. Je crois que j'ai toujours trouvé un marteau là-dedans. Je crois. Je crois que j'ai... Oh non! Ah! Oh, je suis dégoûté. Non, non, non! Oh, vas-y! Putain, fais chier. Oh, merde. Oh, on était bien, là, niveau... Niveau temps et tout, là. Je sais pas si on peut couvrir le feu. Ici, je crois pas en fait. Je crois pas que les rochers sont à... Les rochers aux alentours sont pas assez grands en fait. Même si on se met accroupi tout ça. Ah! C'est un cadavre? D'accord. J'étais quasiment sûr que c'est... que normalement c'est un cerf. Apparemment non. Ils ont peut-être changé hein. Ils ont peut-être changé le truc hein, entre temps, hein. Possible. Bon, où est-ce qu'on va du coup ? Bon bah du coup on rentre, ça fait un peu chier quand même, non? S'il fait froid en fait. Enfin, il n'y a pas l'air de faire super froid. Mais il fait froid. Par contre je vais arrêter de porter des choses parce qu'on est déjà... Je vais arrêter de récupérer des choses. Je crois qu'il y a une voiture en face. Cadavre. Plumes, yes. Les plumes, on n'a jamais assez. Hein. Encore le tissu, ça passe. Vous pouvez l'ignorer si vous en avez déjà... de côté, mais le... Les plumes, non. On peut pas ignorer ça. Ça serait bien qu'on puisse se réchauffer dans la voiture. Oh yes. J'ai pas envie de perdre trop de vie par rapport au froid. Est-ce qu'on peut genre réparer un vêtement? 45 minutes c'est beaucoup quand même. Non, enfin non, c'est pas beaucoup en fait. So hungry. Très bien. Oh non, il y a un loup. Oh merde. Oh merde. Est-ce qu'il m'a senti? Est-ce qu'il est sur le... Putain de chien. Je suis en train d'hésiter où on rentre. Ou alors on retourne sur la maison là-bas. Et je pense que c'est ce qu'on va faire parce que je voudrais récupérer les lapins, tout simplement. Bon, par contre, ça fait chier parce qu'on est à contre-courant. Enfin, j'ai l'impression que non. Enfin, c'est étrange. J'ai l'impression que des fois, on est repoussé, des fois, non. Là, on est repoussé, par exemple. Là, on est complètement repoussé, mais pas tout le temps. Alors, je sais pas si c'est lié à des loups. Si c'est lié à notre coupe-vent ou pas. Ou alors si le vent change. Ah ça y est, il n'y en a plus de vent. C'est bien, c'est bien. Oh, il y a un loup en plein... En plein nord. Je dis nord, mais on sait pas si c'est nord. Ah, j'étais déjà allé là, putain, merde. On est allé à celle-là? Alors t'as des loups à droite, on va essayer de faire un arc comme ça là, tac, et après on monte. Je veux pas trop geler. Il y a une porte ou pas? Non. Des loups à gauche, des loups à droite. Le temps se gâte de plus en plus, j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus sombre en fait. J'ai l'impression, non? Un truc qui pourrait être ultra pute, mais ils le font pas encore, c'est cette glace là. Cette glace qui est... Ouais, il fait de plus en plus sombre. Maintenant on a du brouillard. Cette glace est éternelle, là. Mais ils auraient pu faire un coup super pute, c'est le coup du... Que la glace en fait peut casser quoi ici. Tout simplement. Là ça aurait été vraiment horrible quoi. On va rentrer dans la maison, on va poser notre bois... On va ressortir. Il y a un loup à droite. Mais je crois pas qu'il soit sur l'île. On va ressortir, on va attraper les lapins. Arrête, on a chaud. Oh la vache, cool. Ah bah du coup, on va se mettre là. Tac tac. Jeter tout. Voilà, 29 kilos, très bien. Merde. Ça porte bonheur. Bon, en premier, les lapins, faut se concentrer. Enfin, non. Je me mélange. Enfin, pas que je me mélange, mais il y a plein de trucs à récupérer à chaque fois. Allez, lapin. Quel abruti, putain. Ici, les pierres, elles sont super chiantes à récupérer. Oh la vache! Faut que je vois en fait où c'est qui tire. Ok. Je crois que c'est entre le pouce et l'index. Mais je fais jamais attention à ça. Faudrait que je prenne genre 5 minutes que je regarde mes propres vidéos et que je sois sûr. Ça m'éviterait vraiment énormément de problèmes. Et là, il ne reste plus combien de pierres maintenant? Pas beaucoup, donc j'ai pas envie de les gâcher. On récupère un peu de bois au passage. Ok, là, il n'y a rien. Vous vous rappelez avant, ça regorgeait de lapins, maintenant c'est pas la joie. Ah merde! Ah non! Ah le salaud, il attaque le lapin. Il a attaqué le lapin. Il est passé où? Le truc qu'on pourrait faire, c'est faire peur. Non, 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 viens, 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 viens. Non, va pas vers le loup. Oh putain. Il est toujours en train de manger. Putain, c'est chiant ça. Super. Merci connard. Hein. Ah mon dieu de merde. Ah putain. Ça c'est embêtant, ça c'est très embêtant. Ça. On a que, résultat des courses, on a que 2 lapins en fait. La maison a l'air beaucoup plus grande de l'intérieur que de l'extérieur, ça j'ai toujours remarqué cette maison, elle me perturbe. Quand on la regarde de l'extérieur c'est pas normal, elle devrait pas être aussi grande. Ah mais je dois puer le... Puer le lapin du coup. Chier. Oh putain, casse-couille. Ah. C'est chiant. On a quasiment rien. Très embêtant. Ok. Si jamais il nous attaque, on laisse le lapin. Ah, cool. Je vois rien. Sur les rochers ce coup. Petit. Je crois qu'il y a un cadavre ici. C'est un peu la merde par contre de descendre. Ça c'est notre cher Bobby. Bobby qui se trouve toujours derrière la maison. Mais Bobby qui est pas très coopératif. Si vous voyez bien sûr. J'allais dire, si vous voyez quelque chose au bord de l'eau, criez. Mais je vois rien. Je pense qu'on va essayer de tracer là-bas, là, après. crois que c'était un loup. Ouais, c'est entre le pouce et l'index. Ah, oh putain! Oh mon dieu! Oh je tremble. Oh mon dieu! Oh! Je crois qu'il était juste à côté de nous. Il était juste à côté de nous, ce con. Il m'a pas vu en fait. Il a mis du temps à me voir parce que j'étais... Ah, le fils de chien. J'étais accroupi. Et il a eu peur parce que je crois que quand vous rentrez, vous savez, dans les petits enclos là, ils peuvent pas venir. Je crois que c'est pour ça. Je crois que c'est ce qui vient de se passer. Pff, quelle merde. Bon, par contre, on a sommeil. On a sommeil, donc... On est bien comme ça. Je pense pas que ça vaille le coup de faire du feu maintenant, parce que ça va nous prendre du temps, et on va sûrement être crevé avant la fin de... Avant qu'on finisse de faire ce qu'on veut, quoi. Donc je pense qu'on va juste utiliser notre temps pour recycler tout ce qu'on peut. Ça fait quand même 40 minutes à chaque fois. 30, 40... 1 heure, 40 minutes. On va faire tout à la main. Ouais, ok, d'accord. Merci, merci, merci. Le temps se gâte, ça devient de la merde, super. Okay, donc on reste là, quoi. Voilà, donc maintenant on sait au moins. Par contre, je crois que j'ai balancé le mauvais kit de couture. Parce que j'en avais un entamé, alors que celui-là, il n'est pas entamé. Ah merde, l'eau. On va pas tout boire, parce que je vais utiliser le soda, je pense. Bien. Et on va dépecer les trucs. On va faire ça pendant toute la nuit. De toute façon, on va commencer à en avoir besoin des pots et tout ça, et des boyaux surtout. Donc à la limite, plutôt autant commencer maintenant, vous voyez ce que je veux dire ? Et après, le feu, je sais pas où on le fait, le feu, c'est ça le problème. Je voudrais, moi, ce que je voudrais, c'est rentrer à la maison, quoi. Rentrer au camp et après faire le feu. Moi, c'est ça que je voudrais faire. Mais on a beaucoup à transporter, et ça, c'est un gros problème, ça. On a combien de pourcents? 34, ça va. Vas-y, ça va, elle peut le faire. Ok, bon par contre maintenant on mange, on dort. Voilà. Très bien. C'est reparti pour un petit 10 heures.